Le 2 décembre prochain, ce samedi, de 10h à 19h, se tiendra le bazar de fin d'année au Gamard Center, organisé par International Women's Group. Comme chaque année, nous organisons ce bazar afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Et cette année, nous avons bien sûr pris comme thème une action humanitaire pour la cause palestinienne. Nous reverserons une grande partie de nos recettes au Croissant Rouge tunisien, qui sera présent avec ses volontaires pour aussi récolter des donations numéraires. Bien sûr, en plus de cette action caritative, nous faisons aussi une action presque de bienfaisance envers des petits artisans. Une mission de récolter des fonds pour aider les associations telles que les orphelins. Nous avons par exemple déjà en 2023 avec les recettes dernier bazar, parce que nous faisons également un bazar au printemps pour la fête de mère. Et nous avons aidé, soutenu la voix de l'enfant à Nabeul, Dar Maram, Dar Amel, l'association APAI pour les autistes, l'association ANSDA, les sourds muets, les mères célibataires. Enfin, nous sommes très, très actifs, les femmes victimes de cancer de sein. Nous avons donc donné à toutes ces associations. Cette année, nous avons invité Tunisie Recyclage de venir d'abord faire connaître au public les dégâts de déchets dans la nature. Mais en même temps, c'est une action également destinée aux enfants pour faire prendre conscience qu'est-ce que c'est un déchet, combien est la durée d'un déchet, comment le recycler. Et il y aura un atelier destiné aux enfants pour fabriquer des bracelets avec des opercules de canettes, un jeu zéro héros, zéro déchet, et aussi de leur faire connaître la durée de vie des déchets. Donc c'est très instructif et amusant en même temps. Donc il y aura donc un atelier ouvert toute la journée animé par Tunisie Recyclage. Donc les enfants sont les bienvenus. Pendant que les parents font les achats, les enfants seront en lieu sûr. Sur place, vous allez trouver les délices de la Tunisie. On aura des produits de terroir, on aura du miel, on aura des gâteaux, du chocolat, de très bonnes choses. On aura également des femmes indonésiennes qui vont nous présenter leur cuisine qui est très bonne, qui est magnifique. Et d'un autre côté, on aura les artisans qui nous présentent des bijoux, des vêtements traditionnels, des miroirs, des tricots, des crochets. Tout ce qui est beau, il y a des pantoufles, il y a de belles choses vraiment magnifiques. Nos femmes artisanes en Tunisie, ils méritent qu'on vienne pour les voir, pour acheter leurs produits. Je vous invite donc de venir. On a plus de 100 stands, donc des artisans, des gens qui apportent de la nourriture et des bonnes choses. Il y aura également une animation, il y a des enfants qui vont venir, il y a quelqu'un qui aura un saxo, il va jouer de belles musiques, une chorale qui va chanter pour égayer tout cet événement. Rendez-vous ce samedi, je compte sur vous pour venir nombreux soutenir le Croissant Rouge tunisien afin de récolter des dons pour la Palestine et faire plaisir à vous-même et bien sûr enrichir. Donc, et merci beaucoup.